La saison 2 d'MW2 vient de tomber et il y a eu pas mal de petits changements. Je vous ferai une vidéo détaillée de toutes les news qui arrivent. Mais voici en attendant une petite classe MP7 qui pourra remplacer votre fusil à pompe, le KV Broadside, qui lui a été nerf en dégâts, portée de dégâts et les balles incendiaires. Donc voici la classe. Regardez. Elle est pas mal, hein? Normalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous avez vu sa précision, même en lâchant un full. Regardez. Regardez. Elle bouge pas tant que ça, hein. Et là, je contrôle pas mon recul, hein. Je tire non-stop, hein. Là, je tire non-stop sans contrôler mon recul. Regardez, hein, c'est... C'est vraiment pas mal, hein. C'est groupé. C'est ça qui est intéressant avec cette MP7. Et si tu gères un peu ton recul, ça donne ça. Enfin, tu vois, ça bouge pas du tout, hein. Ça bouge pas du tout. Tu peux te mettre aussi... En comme ça. Elle va être méta. Elle est méta. C'est juste que les gens s'en servent pas. Mais ça, ça remplace un pompe largement, les gars. Avec une petite ISO. La petite ISO V2. Elle est incroyable. Ouais, pour du 2MZ. Elle déboîte. Alors, voici ma classe. On commence par le canon Schlager RVB. Ajusté en visée accélérée sur du moins 25. Et stabilité du recul à plus 24. Ensuite, on part sur des munitions haute pression. Qui permettent de faire tressailler l'ennemi au corps à corps, comme ça, ça évite qu'il vous touche ou il se fail. Et en plus, vous avez plus de dégâts. Portée des dégâts en plus 45 grammes et une vitesse des balles à plus 65 grammes. Ça permet de toucher le point visé, point touché en fait. Vous avez quasiment pas de bullet drop. On passe en chargeur 50, c'est le plus intéressant parce que 30 vous avez pas assez, 60 il est trop gros le chargeur, vous avez trop d'inconvénients. Le 50 est largement suffisant. Vous pouvez enchaîner 3 joueurs avec. Et ou quelques bots s'il y a besoin sur du DMZ. Ensuite on passe sur une poignée arrière Schlager Soldier. On la met en vitesse de transition du sprint au tir à moins 30. Parce qu'il faut être réactif. C'est une arme corps à corps ou grand max mi-distance. Mais surtout vous allez surtout taper corps à corps avec. Donc il faut vite que ça enchaîne. Avec une petite visée accélérée à moins 71. Et on passe sur une crosse de combat 60. En vitesse de marche en visant à moins 1,94. Et en visée accélérée à moins 4. Voilà pour la MP7. D'ailleurs, vous avez vu les gars, la poignée, je l'ai remis, elle rebug. En fait, on peut pas la mettre à 0,70, ça se met à 0,71. Elle reste pas à 0,70, je sais pas pourquoi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette petite MP7. Elle est incroyable, je trouve. Pense à liker, ajouter en favori et abonne-toi. Peace.